Attends, t'appelles comment? Babouche? Non, je vais t'enculer, c'est Good Baba Berlusconi. Berlusconi, bon, appelle-le Berlusconi. Eh, je sais quoi ça. Je pas quitté, mais... Ça ramène moi ta coupe, elle me rassure sur la mine. Bon, la tête d'homme, t'as la calvitie, c'est bon. Mais frère, j'ai des grosses dreads. Attends, hey, ça, t'es sûr qu'on va voir le chef des bikers, là? Ouais. Hey. Il veut qu'on aille boire un verre avec lui, il veut discuter avec nous. Eh, hey, c'est une mise en piège. Écoute. Oui. Eh, Berlusconi, il faut qu'on arrête de faire les gangsters, faut qu'on fasse les mecs les plus naïfs et les plus gentils de la ville. Y'a que comme ça qu'on baisera tout le monde. Vas-y, vas-y, je vais m'excuser alors. On va les enculer. Voilà, c'est ça, c'est le meilleur truc à faire. Attendez, attendez, là, vous me... C'est quoi qui se passe, là? On va aller voir des bikers, ils sont un peu agressifs, c'est des mecs en moto. T'inquiète, Ah, les refs, on a oublié le week-end. Nique sa mère ou... Ça y est, il va baiser avec son frère. On le pètera par le tas. Si tu m'entends dans le ciel, la prochaine fois, on me refuse. Adai Lahmo. On est déjà trop loin, là, ça. Ah bah, je me retiens. T'as fait quoi? Tu viens d'arriver en ville, mais c'est quoi? Ça, j'ai fait trop de trucs. J'ai fait... Ah, ouais, et je t'explique ma petite histoire. J'ai fait disque d'or en indé. Ouais. Et je me suis fait baiser mes sous. J'aurais vu ta mère. Eh, la vie de ma mère. Beaucoup, beaucoup. Ça. Ah. Et du coup, j'ai voulu me venger et vas-y, j'ai fini en prison. T'as tiré sur le directeur artistique. Ouais, exactement. Je suis parti en showcase tout à l'heure. Ouais. Un mec qui s'appelle CD ou un truc comme ça. Ouais. Ça pue sa grand-mère. Sont pas mal, mais sinon, il y en a... Non, 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 attends d'écouter mon petit cousin, tu verras. Ah, attends. Oh putain. Ça, j'ai trouvé un peu. Sors. Comment ça roule? Ça va et vous, les loulous? Les loulous, ils déconnent. Oh, attends. Elle s'appelle comment, la meuf derrière vous? La meuf ça derrière va, moi les gars. C'est ma sœur, tu veux te la donner? Tu t'appelles comment? Bon, les gars, venez, on va parler un peu business. Attends, vrai. ils veulent parler, viens. Tu t'appelles On va parler business, les gars. Vas-y, on va après chez le. Vous voulez une bière? Une bière, allez. Ouais, vous produisez pas de bière. Ouais, une bonne bière, ouais. Mais lui, il boit. Moi, tu bois pas de bière. Vas-y, viens, on va boire un verre, on vous suit. T'as une bière sans alcool, 0,1%? Ouais, y'a de la 0,1%. Ouais, s'il te plaît. Prends de la machette. 0,1%, non, on n'a pas. Non, on a la vraie bière, nous. Bon, les gars, putain, félicitations. Tu peux parler, toi et moi, s'il te plaît. Attends, mais il veut se taper ma sœur. Mais. Je veux pas me la taper, mais juste, je vais lui dire un truc parce qu'elle a fait tomber son portefeuille. Tu peux parler ici, t'inquiète, Crystal, reste ici. Dis-nous, monsieur Abby. Ouais, du coup, c'est qui parle là? C'est moi là, c'est moi. Ah, ok. Eh hey. Ouais, mon gars. Je voudrais que. Je voudrais mettre une droite à ta sœur. Pourquoi ça? Parce que moi, j'ai été gentil, elle me parlait mal, elle me manquait de respect. Quand ça? Tout à l'heure, pendant que vous m'avez pris en otage. Ah, quoi? D'accord, ok. J'ai le droit à une droite. Non. Ok, pas de soucis, bon, discutons alors. Ouais. Bon, c'est quoi vos projets un petit peu, pour sortir de la rue? Oh, nous, rien, on est prêt à tout pour l'argent. Lui, c'est mon petit cousin, hein, mon petit cousin. Exact, et Djibouti. Ok, d'accord. On est prêt à tout pour l'argent, c'est tout, mais on est des citoyens, on essaie d'aider les gens et de nous aider nous-mêmes. Ouais. Ouais, voilà. Vous savez que les gars, vous avez pas mal merdé aussi. Par rapport à quoi? Ah, faut venir foutre le bordel à Saint-Bichard. Le bordel, oh, on l'accepte pas. C'est juste mon collègue, il est un peu agressif et fou, il a des problèmes mentaux. Mais nous, on n'est pas de ce genre-là, mais on s'excuse s'il faut, voilà. Mais. Ouais, parce que nous, on veut pas entrer dans ce genre de galère, là. Des coups de couteau, tout ça, là, c'est pas notre genre du tout. Ouais, d'accord, ok. Mais donc, alors, s'il y a eu tout ce bordel, on est bien d'accord que c'est parce que. Bah, vous avez pensé qu'on voulait du mal à Monsieur Freud. Voilà. Enfin, pas... Ok, d'accord. Pas nous, mais enfin les autres... Enfin, je sais pas, lui, ouais, je pense, mais j'ai pas compris exactement ce qui s'est passé, je sais juste qu'il y a eu un coup de couteau. Ok. Bah, je reviens, deux secondes. Oh, attends, la caméra. Attends, viens voir Freud. Je reviens, vite fait. Okay. Ah, Freud. Oui. T'as l'air d'être quelqu'un d'important, toi, quand même. Non, je suis personne, je te jure, je suis juste quelqu'un qui mendie tous les jours dans la vie. Mais je suis tellement gentil, j'essaie tellement d'aider tout le monde que bah je me retrouve dans des merdiers au final. Ouais, je vois exactement où tu vas. Oh, le coup, faut que je te parle.
Ok, ouais, ouais, bon. On va parler à ton cousin tranquille. Voilà, okay. Je te parle. Ne frappe pas ça. Quoi? Attends, ça. Hé, je suis mort. Hé, tout à l'heure, t'as vu, j'étais au concessionnaire moto. Ouais. Et j'ai déposé le mec du concessionnaire là. Ouais. Fripouille, un truc comme ça. Ouais. Et il m'a dit, ouais. Il y a un SDF, il m'a mis un coup de couteau. Ouais. Et voilà, c'est nous, on t'a balance pour dire que t'étais où parce qu'on t'a croisé dans la ville. Oh putain. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant ils savent que c'est pas moi, c'est l'autre. Y'a okay, rien de grave. Vas-y, t'inquiète. Putain, c'est pour ça, ils m'ont pas voilà, lâché. Nickel, on a mis les choses au clair, bordel. Parce qu'en fait, c'est devenu notre gars, le mec du concessionnaire. Et on l'a croisé. Nickel, okay. On a mis les choses au clair. Bon, c'est les cool. Gars, je vais vous le dire honnêtement. Hein. Vous avez pas mal merdé, vous avez planté un de nos gars. On s'excuse. On s'excuse. Ouais, mais... Il a, peu, il a des troubles mentaux, Berlusconi, un peu. Ouais, je suis désolé, en fait, j'étais dans une mauvaise impasse dans ma tête, dans une mauvaise sourcil. Ok, y'a pas de problème. Si t'as une mauvaise impasse, t'as qu'à te faire sucer par un psychologue, bordel de merde. Te faire sucer, ça fait toujours du bien. Ah, tu veux que je m'occupe de toi, Billy? Je vais bien m'occuper de toi, si non, tu veux. Quoi non, je suis la meilleure. Non, ça va aller, je pense que c'est... Si, t'inquiète. Ouais, il me plaît bien, le petit Billy. Quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Laissez-moi le missile fixe, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous le savez, nous, c'est Baba Cool, c'est au cocktail mocha, vous voyez. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des choses que l'on tolère. Le truc, c'est que vous avez planté un de nos gars, donc on demande à ce qu'il y ait répercussion. La personne qui l'a planté, j'aimerais qu'il y ait un combat entre lui et la personne que vous avez planté. Je peux intervenir là, de celui-là, avec ta jolie barbe. Le mec, le mec qu'ils ont planté, tu peux l'appeler tout de suite, c'est moi, je l'ai sauvé. Votre gars. Ok, d'accord, nickel. Votre gars, derrière le mur. La tête d'homme, c'est moi, je l'ai déposé au concessionnaire quand il sortait de l'hôpital. Comment t'as fait pour avoir les sourcils bleus? C'est une teinture, mais écoutez, venez, on coupe court, on va parler deux secondes. Vous voyez lui, c'est un SDF aussi, mais on vous le donne, il va se battre avec l'homme qui nique sa mère, lui. Il fait que des conneries, il plante les gens qui baissent sa mère. Ça y est, va, tu vas te battre, fils de pute. Tu vas assumer ton coup de couteau maintenant. Ramenez votre homme et ils vont se battre tout de suite. Il est où, Jeff? Les gars, il est où, Jeff? Ramenez-le. Ta gueule, tu vas te battre, fils de pute, tu vas te battre. Il va me reconnaître. Ok, d'accord. Écoute, tu sais bien te battre. Tu sais bien te battre, la baston, tu connais. Je sais bien battre, mais bon, d'accord, je suis prêt à me battre. T'es prêt à te battre? Je suis prêt à me battre pour racheter mon pardon et mon salut, je suis prêt à me battre. C'est quoi après la bagarre? C'est quoi? C'est la bière et après c'est quoi? C'est quoi? C'est la baise. rigolez. on déconne, c'est le nord, on déconne, bordel, okay, on déconne. Le nord. Mais vous baisez... Attends, mais rassurez-moi, parce que je vois, y'a que deux meufs, vous baisez pas ta sœur, quand même. T'as baisé, c'est quelqu'un qui t'a baisé? C'est ma sœur, tu déconnes, on a des régulières pour ça. Qui t'a baisé? Ok. Ah, Simon, il m'a dit, c'est le débardeur blanc. J'ai fouillé mon gars. Moi, je baisse qui je veux et quand je veux. Quoi? C'est lequel? Celui en face de toi? Débardeur blanc, c'est vrai. Débardeur blanc? Cristal, c'est vraiment une pute. Moi, je sais, je l'assume. Tu te rappelles comment je t'ai déposé? Jeff, il est là. Ouais, c'est toi. Ok, bon, les gars. En fait, je t'ai déposé, mais je savais pas que c'était. Laissez un domicile fixe. Voilà, je vous présente Jeff, la personne que vous avez plantée. Ok, d'accord. Non, vous parlez tout en même temps, les gars. Vous parlez trop en même temps. On s'entend plus, les gars. Attends, Jeff, viens voir. Eh, les gars. La main sur le caleçon, s'il vous plaît, d'accord? Ok. Calme. Du coup, c'est qui, Jeff? Jeff, il est là-bas. Il a les cheveux longs. En fait, voilà, c'est un gars à nous, il est gentil. Ok. Et quand on sait qu'il se fait planter. Quand on sait qu'il se fait planter, on n'apprécie pas quoi, on n'apprécie pas, on prend ça mal. C'est normal, je suis vraiment... Non mais on est dans un concessionnaire, voilà, vous croyez qu'il a pas de vie, mais non, il a une vie derrière. Il bosse. Bah, c'est il sûr, déchire, il prend des crémants, des enfants. Il stresse, il a pas l'habitude de... J'ai juste une question, je propose quelque chose, comme ça au moins on se fait bien racheter. S'il perd la bagarre, et bah il doit baiser avec elle. Hein? Baiser avec qui? Avec elle, parce que je vois qu'elle est intéressée. Il doit baiser avec il arrive même pas à la tenir. Oh, je vais donner ma vie pour gagner. Ok, je pense que ça peut être un bon arrangement, non? Non, les gars, moi c'est Jeff qui va choisir ce qu'il veut faire, c'est tout. Eh, c'est GG, c'est Jeff, d'accord. C'est Jeff qui choisit. Jeff, tu veux le planter, tu veux faire quoi? Oh, une petite bagarre, c'est bien. Non, il choisit Jeff, t'as envie de le planter. Ah, il mérite. Il mérite une grosse droite dans sa gueule, non? Il mérite, ouais. Il mérite une grosse droite dans sa gueule. C'est pas toi, Jeff. Après, il passe au-dessus. Écoute. Ta mère, après quoi? Bibi. Moi c'est Gaku, c'est mon cave cocktail, d'accord? Il y a vraiment pas nombreux. Mais il va vraiment falloir qu'il se défoule, vous voyez? Donc avant le combat, il faudrait qu'il prenne 2-3 patates de sa part histoire que la haine se barre. Et après la vraie bagarre. Et après la bière.
Et après, si vous avez besoin d'une pute, on peut vous fournir. D'accord ? Mais ta sœur, c'est une pute ! Ta non, gueule ! Non, non. Ah, non, okay. Non, ma sœur, c'est rien, c'est pas une prostituée, vous inquiétez pas. Okay, okay. Si non, vous ça, voulez, sans le nichon, il y en a. Oh putain ! Oh bordel, tu lui as mis un ouraken, eh ! T'as fait comment pour le faire tomber là ? Attends, il faut l'aider à le relever là. Et tu l'as mis à terre, tu le relèves maintenant. Non, il va pas le relever, il s'est fait planter, il va pas le relever. Bah oui, mais un combattant à terre. Nickel. C'est qui votre chef, les gars ? C'est moi. S'il vous plaît, écartez-vous qu'on se batte. Y'a pas de chef, on est pas un groupe, on est pas un gang. Attendez, on s'écarte. On est juste des SDF qui traînent ensemble. La baston c'est pas devant, c'est derrière les gars, venez on va derrière. Ah ouais, là derrière. Dans la cour derrière, dans la cour derrière. Mais la baston c'est toujours à l'arrière les gars. Je suis désolé mais je vois rien à l'arrière, ce serait mieux à l'avant. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Mais c'est quoi ces malades? Ah, il y a trop d'SDF. Y'a trop de clochards là. Ouais, trop de SDF, vas-y, prends par là, il y a des bikers en forme. Ouais, nickel. Tu roules sur des bécanes? Tu roules sur quoi? Bon, allez. reculez qu'on puisse faire notre rencontre. Oh, Billy. Allez, Jeff. Ouais, t'as pas l'air en forme, toi. Oh, Billy. Ouais, c'est moi. Jeff, étranglement. Niquez ta race. Allez, vas-y. Vas-y, Jeff, pète-lui la gueule. Mais c'est qui, Billy? Je comprends pas. C'est moi, Billy. Pourquoi? Alors, vas-y, Berlusconi. Voilà. Vas-y Berlusconi, voilà, étrangle-le Jeff, étrangle-le. Nique ta mère. Achève-le. Ouais Jeff, vas-y. Oh, mais ouais, Berlusconi. Oh là là, c'est bon, stop, il a assez payé, ça y est. Ouais, on n'y touche pas. On va recommencer, je vais alléger sous ses soupirs. Non, c'est bon, non, t'as pas eu de soucis, t'inquiète, c'est bon. Contre moi Billy. Quoi? Comment ça? Contre moi. Comment ça? Mets-toi contre elle maintenant et fais ce que t'as à faire. Contre moi. Non. Mets-toi quoi? Mets-toi contre elle. Ah merde. Bon, bah, on va commencer à parler business les gars, d'accord? On va commencer à parler sérieux, c'est fini la baston. Ok, vas-y, c'est quoi business? Tu aurais bien mis un... Business, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, c'est... Argent. Ouais. On aime ça nous. Vous consommez de la drogue, on y met d'accord? Ouais. Regarde, si tu me payes, je peux te faire consommer de la drogue. Ça t'intéresse? Ouais, il aime ça mon petit cousin. Ah bon, vous me payez, je vais consommer de la drogue. Ça lui donne de l'inspi, c'est un rappeur. Vous faites du bénéfice comme ça, d'accord? En consommant. Je te donne. J'ai 900 dollars. Ouais, un rappeur SDF. Ah ouais, tu veux quoi? C'est qui a dit ça là? Quoi? Quoi? C'est moi, man. Bah, merci bien. Voilà, t'as trop raison. Mais là, j'ai pas de drogue. Tu vas faire du blé, man. Viens, je te produis. Je suis derrière toi. Moi, les gars, j'ai envie de vous voir. Dans deux semaines. J'ai un rendez-vous avec le mec. Attends, viens. Toi, t'es mon gars. Attendez, écoutez Mads. Écoutez Mads, président du Los. Non, je déconne. Ce que je voulais dire, dans deux semaines, les gars, formez-vous à la baston. Parce qu'il y aura de la baston d'organiser dans le Nord. Pas dans deux semaines, qu'est-ce que je raconte, dans quelques jours. Ok. Ok. Une petite bagarre. Moi, personnellement, là, je vous ai vu. Bitch, tu m'as l'air d'être bien musclé, un bon gabarit. Toi, ça se voit que t'as fait du football américain quand t'étais jeune. Je regardais à la télé. Les bikers, ouais. Vos grosses bites là. Bon, bah, si c'est comme ça, il est pour moi. Quoi? Oh, Christelle, arrête de te charmer tout le monde. Ah ouais. Putain, elle est en chaleur là, je suis trop. Ah, Christelle, va jouer sur l'autoroute après, putain. Non. Si vous voulez faire de l'argent. Y'a baston, d'accord? Ça risque d'être vendredi. Vendredi chez nous, c'est pas poisson, c'est baston, d'accord? Et quand y'a baston, ça veut dire qu'il y aura des gabarits encore plus puissants, d'accord? Et moi, j'ai envie de miser sur vous. Miser un bon billet sur vous, ça vous intéresse? Il a un vrai crâne. Ok, moi, je peux te parler seul à seul ou pas? Ouais, vas-y, y'a pas d'embrouille. Viens dans un coin. Ah bah, j'aime bien les coins. Parle plus doucement. L'hôtel Mocard. Ouais, dis-moi. Dis-moi. Moi, je vais te parler d'un truc plus intéressant. Ouais, dis-moi. Tu m'as dit que tu vendais des trucs, non? Tu veux quoi? Je veux rien. Tu vends ou pas? Ouais, je vends. T'as besoin de laver ou pas, des fois? T'as besoin de laver, t'as besoin de faire du lavage. Ouais, mais le lavage, je peux m'en occuper, ça. C'est pas un embrouille. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, tu vas rappeler ton pote tout de suite, là. Mais c'est parce quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle ton pote tout de suite. Mais putain, il a fait quoi encore? J'en peux plus. Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Il a planté Jeff, ce con. Ah bordel, il va vraiment falloir se dire.
tu peux me passer le numéro de... Ça doit être encore Bibi. Je pense que tu devrais prendre pour ton pote, moi. Quoi? Ouais, ouais, tu vas le prendre, tu vas le prendre. C'est quoi les petits cheveux qui te restent? J'aimerais bien te les raser. T'es sûr? Non, t'es sûr? Eh! Viens, amène-toi là. Quoi, il y a un potentiel business à faire entre nous, faites pas ça. Ça serait tout caché. Ils viennent de replanter Jeff, les gars, là maintenant. Écoutez, Je vais les cramer tous les deux, je vous le donne, les conséquences, mettez-les sur lui. C'est bon, moi j'en ai marre de payer pour lui. À chaque fois je paye pour lui, j'en peux plus. Billy, attends, il va pas, il va nous le livrer. Je vais l'appeler. Il va nous le livrer, c'est bon. Il va nous le livrer, si, il va nous le livrer. Putain, c'est dommage, fils de pute, nique ta mère! Mais t'as fait quoi? Mais je vais t'étrangler! Je vais t'étrangler! Mais comment ça il t'a mal parlé? Pas parle-lui mal en retour! J'en peux plus, je vais te planter, putain, la putain de ta mère, t'es où? Je vais te niquer moi-même, c'est moi le bikers maintenant, nique ta mère, ça y est! C'est bon, c'est moi le bikers, je vais te rouler dessus en moto, nique ta mère, je vais mettre une veste en cuir, ça y est, nique ça ta mère! Entendu! Eh, c'est bon, reviens, excuse-toi! Okay. Faut que tu reviennes et tu t'excuses, t'es où là? À côté. Vas-y, je t'attends. Vas-y, viens, on t'attend, vas-y. Tu veux rouler sur des bécanes, toi? Je veux pas rouler sur vos putains de bécanes, je veux juste être en bon terme avec tout le monde. Moi, j'ai rien à me reprocher, putain, je suis qu'une merde. Je me retrouve tout le temps dans des bourbiers. Il arrive. On y va, il va revenir là-bas, c'est bon. On va lui parler calme. Enfin, non, là, on va pas trop parler, on va plutôt sévir. Non, je parle pas du tout, là. Là, ça va... Jeff, ça va, mon pote? Dépêche-toi, Jeff. Putain. Jeff, réveille-toi, s'il te plaît. Attends, mais il est peut-être mort, là. Putain, attends, il arrive, là. Appelez les EMS un peu plus loin, les gars. On va s'occuper de la personne qui... Écoute, tu ranges ton téléphone, déjà. J'envoie la pause pour qu'ils viennent, putain. Et tu te mets contre la caravane, tout de suite, avec ton collègue. Putain, mais quel visiteur de merde. Tu vois, je t'ai dit quoi? Pour continue à me proposer ton business, là, tu m'intéresses. Je t'en reparle après, je veux juste que cette situation se calme, ok? Ok, d'accord. Que tu sais que là, s'il vient pas, malheureusement, ça va devoir se répercuter sur vous. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche, là. Touchez-le pas, lui, il a rien fait. Lui, c'est un petit jeune. Il va falloir que quelqu'un paye pour lui. Eh bah, mettez tout ça sur moi. Faites-lui rien, c'est mon petit cousin. Mettez sur lui, là, ça compte. Tout ça, ça veut dire deux coups de couteau. C'est ta pute de cousin. Ça veut dire deux tentatives de merde, ça veut dire on peut te brouiller, là, tu vois. Shona, je te rappelle, j'ai une petite galère, ok, dans 5 minutes, je te rappelle. Vraiment. Donne-moi ton téléphone, Non mais putain, mais c'est une de mes meufs là. Donne-moi ton téléphone. Okay, calme. Tiens, c'est bon, je te le donne. Shred, ça vient d'où, Shred, d'ailleurs? Tu peux te retourner, hein, tu sais. Shred? Ouais, ça vient d'où, c'est quelle langue? C'est italien. C'est italien, ouais. Ah ouais? Ouais. T'es italien? Ouais. T'as grandi où en Italie? Napoli. Ouais. Et en Napoli, il faisait ça? De quoi? Comment tu t'es retrouvé à la rue, Freud? J'ai perdu, il va pas parler. C'est bon, parle pas. Non mais ça, je vais pleurer si j'en parle. Et il est très très sensible sur ça. C'est bon, vas-y, parlez avec moi si vous parlez avec lui, là, c'est bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, la vie de ma mère, c'est un peu chez moi, du coup. Ah, moi ça me va, ouais. Écoute, j'ai tout donné pour cette ville, j'ai fait tous les charbons possibles, j'ai jamais rien en retour. Ma femme m'a quitté, les impôts sont passés, les huissiers de justice. Au début, j'ai réussi à trouver un petit loft pour vivre, ensuite j'ai vécu sur une table, une chaise, après sur un tabouret. Et maintenant, je vis sur un carton. Voilà. Tu t'es fait baiser la gueule, quoi. Je me suis fait baiser la gueule, comme... Par l'État et par le système qui nous manipule. Par l'État, le système qui nous manipule, parce que le dérogatoire et les députés ne sont pas présents et assez laxistes pour cet État. Ils nous manipulent en même temps avec les lois martiales et nous prennent de manière homogène et stoïque. Moins fort. Ok, désolé. L'État est la manipulation de la conscience. La manipulation de la conscience qui nous rend inconscients de manière assez abrogative. Comme a dit Aristote, l'homme est un animal politique. La politique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la politique que l'on connaît, mais la parole qui permet à la politique de s'exprimer. Voilà. Voilà, exactement, parce que l'opposition de l'opposition, c'est bien sûr l'homogénéité qui rend l'hétérogénéité possible grâce à la stoïcité des membres et les actes que nous faisons en conscience de cette société nous rend de cette manière. Dormir, cette salope, il est où notre gars? Il est où votre gars? Merde, qui plante mes supporters, il est où? Putain, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Mais pourquoi il l'a planté? Tu es au courant de quelque chose? Je vais l'appeler. Mais je comprends pas. Il a des problèmes mentaux, faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Va falloir faire interner, les gars. Il plante tout le monde là, c'est interne direct. T'es où, putain? T'es où? Mais je t'ai envoyé la pause depuis tout à l'heure. Oh merde, comment tu t'appelles, toi? Mais oui, vas-y, viens. Lui? Toi? Ouais. Freud 1. Et dis-moi.
Freud et Freud. Eddie Boudzi, sinon vous pouvez l'appeler comme ça. Boudzi, c'est pas mal. On n'est pas là pour rigoler, les gars, d'accord? Maintenant, vous partez sur terre. Bien voir. On n'est pas là pour rigoler. Attends, il m'appelle l'autre. Qui? Mais c'est quoi ça? Oh, quoi? Eh, mon cousin! Eh, le touche pas! Il est temps à venir, votre collègue. Oh! Mon petit cousin! Oh! De ces branleurs de couilles là. Dégagez-moi ces SDF. Non, les brûlez pas, les gars. Vous me dégagez ces SDF. Oh, papy, du bar. Tranquille, ça va aller. Vous me dégagez ces putains d'SDF du bar et tout de suite. Putain, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien là. S'il faut que je te tire par la tignasse pour que tu te casses, Shrud, je le fais, d'accord? J'arrive pas à me lever, putain, mais j'en peux plus. Je me retrouve dans des bourbiers alors que j'ai rien fait. J'en ai marre. Je vais me tirer une balle dans la tête. Eh bah tu devrais, ouais. Parce que ta vie, elle vaut que dalle. Je sais que je vaux que dalle. Mais ouais. J'essaie juste de m'en sortir. Et tu voulais t'en sortir comment avec nous? Je sais pas. En se faisant de l'argent. Et tu voulais te faire de l'argent comment avec nous? Avec ce que je t'ai proposé, mais là, c'est un peu mal embarqué. Tu vas pas terminer ta proposition. C'est quoi, de la vie, de l'argent? J'ai pas envie d'en parler devant tout le monde. C'est mes frères, d'accord? Parle devant eux. Bah, je connais quelqu'un qui blanchit de l'argent. C'est qui? C'est un mec, un SDF aussi. Un SDF qui blanchit de l'argent? Hey, il bourré. Hey, il voudrait pas un peu de notre gueule, celui-là? Il voudrait pas un coup de marteau, là, encore, sur la gueule? Il consomme ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pas grave, hein. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on arrête là, ça sert à rien. Mais ça nous intéresse. Mais pourquoi tu m'as dit que tu blanchissais déjà toi-même? Il y a des choses que tu ne dois pas savoir, d'accord? Bah tu me l'as dit. Allez, c'est bon, relève-toi. Aide-moi. On a fini avec toi. Je sais pas. Je peux pas t'aider à te relever, t'as planté un de mes supporters. T'as fait partie de la bande de ceux qui ont planté un de mes supporters. Mais c'est pas une bande, y'a pas de bande, putain, y'a pas de gang, y'a pas de groupe, y'a pas de bande, c'est juste des mecs pauvres, on s'entraide, c'est tout, y'a rien. Vous avez une façon de s'entraider, mais ton collègue il est pas venu t'aider, on t'a dit que t'allais prendre pour lui. Ah, j'étais venu m'excuser à la base. Tes excuses? Bon, rangez cette arme maintenant. Allez, accompagnez-les dehors, les gars. Ouais, président. Vous aurez pas un peu de sous? Non. Eh, vas-y, je te donne 10 balles, tu vas t'acheter des clopes ou des chewing-gums, tu te démerdes. Merci. Merci, mec. Putain, fils de pute, range ton couteau. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nique ta mère, tu nous as mis dans la merde. Non, merde. Non, mais... c'est quoi ça, depuis quand t'as une arme? Bon, d'accord. Là, tu sais que ton collègue, il vient quand même de se prendre une sacrée tarniole... avec un marteau là, à cause de toi. Ça, lui en face de moi. Non, ouais. On s'est fait niquer nos mères avec Boudzizi. Donc maintenant. il s'appelle Boudzizi. Vous prenez ça à la rigolade, c'est sérieux, on passe pour. Je prends pas ça à la rigolade, bordel. Je suis en train de rigoler. On rigole. Attends, on a l'autre. Ça s'appelle Boudzizi, mais tu. Oh tu voilà, tiens. Okay. Ça t'apprendra. D'accord, c'est pas terminé, on en a pas fini avec toi. Donne-moi ton couteau. Voilà. Mais il vient de me gifler, c'est suffisant. Ton couteau. Je m'en bats les couilles. Va contre le mur là-bas. Va contre le mur. Mais vous allez faire quoi? Les Lost? Ah, il faut leur. Il faut qu'ils comprennent. Allez, on va le défoncer. Oh là là. Oh sa mère. Il a frappé son pote. Mais ils sont trop cons. Encore toi? Quoi? Non, vous avez peut-être besoin d'aide. Mais non, mais oh! Vous avez peut-être besoin d'aide pour le frapper. Ah! Bon bah si tu veux, vas-y. Ok. Ça pourrait être marrant. Bien, d'accord. Fils de pute! Nique ta mère! Tu mérites que ça! Mais je pensais que c'était Boudzizi, je me suis trompé de gars. Oh pardon. Et en plus, tu frappes les bikers. Bon, allez, c'est bon, vous pouvez y aller là. C'est bon. Ouais, cassez-vous. Allez, les boules là, c'est vas-y, bon. Viens, on se casse, putain. On a réglé nos comptes avec eux, c'est bon. Oh, wouhou ouais. Quoi? Putain, regarde dans quel état tu l'as mis celui-là. Putain, tu l'as bien fumé. Putain, regarde-le. Oh putain. J'ai pas fait exprès.
Ça reforce à lui, je vous sais pas. Oh, on revient, fils de pute. Monte. Il est où, Boutizi? Je sais pas, moi au début j'ai cru que c'était lui, je voulais planter lui. Mais non. Il est où mon petit cousin Boudizi? Je sais pas, il doit être en train de pisser derrière, on va voir derrière. Combien de je cherchais mon cousin. Mon genou. Cherchez mon cousin. Ah non mais je cherchais mon cousin. Ton cousin il est pas sur notre presse. Ok ok, vas-y. Casse-toi avant que je vous canarde. Oh sa mère. À gauche maintenant. Monte. Elle va tirer, frère. Non. Mon. Tu bouges, toi tu. Allez, arrête. Je lui ai dit de pas bouger, il a bougé. J'ai pas voulu le tuer, hein, je l'ai juste blessé, hein. J'ai peut-être tiré un peu trop. C'était radical. Mais fils de pute, Boutizi, il est mort, tu fais du skate. Allez, relève-toi, je lui ai tiré dans le genou, bordel. Allez, Bootsgeek, c'est bon. Mais... Allez, relève-toi, pas une balle dans le genou qui va te faire mal quand même. C'est bon, laissez tomber, je vais l'emmener à l'hôpital. Putain. Allez, amène-le à l'hôpital. Mais c'est un excité, lui. Allez, on retourne devant l'IA, elle a cramé les roues. C'est bon, laissez-les. C'est bon. Pour leur péter une voiture, je suis pas. J'en peux plus. Voilà. Nique ta mère avec ton skate. Attends, je vais essayer de... J'en peux plus. Et... Lâche-moi, nique ta mère, lâche-moi. Arrête, on va le faire. Nique ta mère. Arrête, faut bien l'emmener à l'hôpital, wesh, on va te faire tomber. Arrête, tu sautes. Aïe. Arrête. Putain, fils de pute, avec ton arrête skate. Arrête. Fils de pute, laisse-moi ton skate, fils de pute. Non. On va à l'hôpital. Aïe. Wesh. Moi j'ai une arme. Oh putain, alors j'avais une arme pour braquer une voiture. Aïe. Miskin, ça fait 5 minutes, il a envie, il est déjà KO. Ce pis, comment il est droit. Oui, ça lui a mis une balle gratuite, j'ai rien compris. Il a pas bougé. Mais elle, mon rêve c'est de la buter, je te le dis. Je veux la buter. Elle m'a dit tu bouges, je te tue. Et j'ai sorti mon skate, j'ai bougé, mais vu que j'ai roulé avec le skate, elle a tiré sur Eh, hey, ça se voit, oh, c'est soit. Mais vas-y, prends une voiture, putain, j'en peux plus. Mais on va pas. Mais y'a que 5 km jusqu'à Los Santos, on va pas aller en skate. Mais si. Attends. Putain. Je vais pas. Au pire, je connais une meuf qui peut nous aider. Descends. On nique ça. Nique sa mère. Quoi? Wesh, il est où? Oh. Merde. Non. Mon Zizi, ta mère! Fils de pute! Il est où, vous Zizi? Je l'ai sur moi, je l'ai. Oh putain! Vous Zizi s'est fait tirer dessus, t'as fait du skate? Mais t'es qui, putain?
J'ai découvert qu'on peut faire du skate, c'est génial. Heureusement, je l'ai pas vendu à l'autre. C'est pour ça que vous voulez en acheter un, c'est vraiment... Mais tu vas où? Skate électrique de Détective Conan. Mais tu vas où? Na 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 na
Ok, t'inquiète. Le coffre est vraiment très petit, mais ça passe. T'inquiète, il passe, t'inquiète. Cette pute. Je te porte maintenant, t'es blessé. C'est toi qui m'as planté tout à l'heure. Ouais, t'en as pas... Mais putain, mais non, mais c'est pas possible. Arrête là, y'a une meuf qui va venir nous chercher. Mais nique ta mère avec ta Shona Event là. Mais c'est elle qui va nous déposer, t'as coincé la voiture dans le trou, sale bâtard, on est coincé depuis tout à l'heure ici là. Mais hé, tu marches 5 minutes, on a une voiture. Mais il faut un gun pour prendre une voiture. Mais y'en a une garée. Où? Oh, Jean, pose-moi. Il y a une voiture. Où? Attends, pose-moi, je vais te dire. Non, tu vas faire une dinguerie. Tu vas faire une dinguerie. Allez, nique ta mère. Fils de... Oh non, mais les... Oh, l'hypercute depuis... Ah, Shona, c'est toi? Non, y'a rien. Vas-y, c'est bon, elle va nous. Vas-y, le coffre il est à l'avant. Nique ta mère, va dans le coffre. Le coffre il est à l'avant. Mais quel avant, coffre? Il y en a même pas. À l'avant. Si, là. À l'avant, si, à l'avant. Tu à vas. L'avant. Mets-toi dans le moteur. Oh, sa mère, c'est quoi ça? Allez. Regarde, c'est un magnifique coffre. Quoi, tu es jalouse? Oh putain. Enfin, attention, il a des problèmes mentaux un peu, le mec dans le coffre. Mais... Ah ouais? Ouais. Mais hey, pourquoi je fais la sieste derrière là? Tranquille, c'est le coffre. Je vous en anneau, les gars. Bah, tu foutais quoi là? J'étais en train d'acheter un local. T'as fini? Ouais, là, je viens de finir. Oh, viens, j'ai vu, il y avait une soirée sur la plage. Venons, on y va, non? À côté des jet skis. Vas-y, ben, mets-moi un point, s'il te plaît. Oh, bah, je sais pas, c'est où? C'est vers les masques, je pense. Magasin de masques. Attends, je te mets le point. Hey, on va chercher Boudizi pour aller à la soirée. Oh merde. Quoi? C'est un nouveau pote à nous. C'est quoi ces noms? Bah, je vais, quand on sera là-bas, je vais lui envoyer la pause. Respect. Il t'a pris. Prends quoi de planter tout le monde? Tu deviens fou quoi? Il m'a mal parlé. Qui t'a vendu ce couteau? Il l'a volé dans la cuisine de l'hôtel. Parce que franchement, je peux avoir le registre et tout ça, et je me sens pas avoir vu ton nom, quoi. Si, parce que. On me l'a donné en fait, c'est un cadeau, c'est un giveaway. Un giveaway, ouais! Oui, il devait. Quelqu'un dans la rue. Il devait RT follow un balas. Putain! Moi, toujours mon chlas sur moi. Non, cache-le, je vais te niquer, arrête. Oh, vas-y. Attends, c'est Shred Harlem. Voilà, quoi? Mif. Non, c'est ça la soirée. C'est Shred Harlem, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, Shred Harlem, raconte-nous une histoire, viens au milieu. Vas-y, mets-toi au milieu, rentre dans ça. Mais comment ça, une histoire? Non, mais il en a une à raconter, mon pote, là. Boule Berlusconi. Ouais, Django, j'ai Django, une histoire raciste, de fou. Vas-y, mets-toi au milieu et dis. Eh, en fait, ça arrivait à une de mes copines, ok, je vous raconte. Oui, bien sûr que je suis là. Et écoutez bien les meufs, c'est très très important, ça vous concerne. Ouais. Alors tu vois, c'est une copine à moi, elle allait en boîte de nuit, tout ça. D'accord. Et tout se passe bien pour elle, t'as capté, elle fait des rencontres, des fois elle couche avec des hommes. J'ai besoin d'un câleur, pourquoi tu te poses pas porter? Mais un soir, un fameux soir, elle est en boîte de nuit, elle est tombée avec un gars, tu vois, et elle a fait des bails avec ce gars. Si tu veux, elle l'a juste pépon. Excusez-moi de la vulgarité du terme. Peps. Mais elle lui a sucé sa queue. Et il se trouve au calme, tu vois, tout était calme. Le mec il lui propose de venir chez elle, chez lui, pardon. Et elle refuse parce qu'elle pouvait pas ce soir-là. Le mec il insistait de ouf, mais elle, vas-y, elle voulait hop. Donc elle avait fait ça dans les toilettes de la boîte de nuit, t'as capté? Et c'est vraiment dégueulasse, hein. Ouais, ça. Et le lendemain, elle commence à avoir des douleurs de ouf dans la bouche. Même 2 jours, 3 jours après, elle décide d'aller consulter. Et le truc, c'est qu'elle va voir un médecin et lui dit: ouais, vous avez un microbe dans la bouche. Mais c'est un microbe, c'est un ver, il est présent que sur les cadavres. Je suis en train de manger. Ah si, je connais ça. Oh. Et en bon gros, appétit. Et en gros, le boug, si tu veux, en fait, c'était un nécrophile, il baisait des cadavres. Et en fait, les filles qu'il ramenait chez lui, et ben, il les tuait et il les baisait après. Parce que bah, c'est le concept d'un nécro. Nécrophile. D'un nécrophile. Et en gros, la meuf, heureusement, elle a juste sucé. Et elle a refusé d'aller chez lui. Parce que ça, il allait la tuer et la baiser aussi, du coup. Mais c'est une histoire vraie ou pas? Ouais, t'inquiète.
Ouais, on va dire ça. Ok, ok, non, ok. Non, en vrai, dans l'histoire vraie, le mec il travaillait juste à la morgue et il baisait vraiment. Mais c'est Berlusconi là ou c'est Squeezie? Ouais. Et vraiment, c'est... Ouais, mais raconte une histoire. Je te l'ai sorti en deux secondes cette histoire. Avant de lui raconter une histoire. Quoi? Vas-y, rentrez dans le cercle. Yo, hello guys. Oh putain, j'ai pas d'histoire, j'ai pas d'histoire. Ça va, Kazan? Tranquille, toi. Allez, vas-y, rentre dans le cercle. Ça va? Mais j'ai pas spécialement d'histoire. Mais ok, j'ai une histoire. Un background. Ok. voilà, bien joué. Au prochain. Dealer. Non, mais raconte. Mais non, putain. Ok. Et bah, c'est l'histoire d'un SDF. Il mangeait tous les jours. Et un jour, il y a une meuf. Elle venait. Oh, pourquoi tu te poses comme ça? Pourquoi tu te poses comme ça devant la meuf? T'as pété un plomb, quoi. Ok. Histoire d'un SDF qui mendiait tous les jours et il recevait 2 euros par jour. Et par la même meuf à la même heure, tous les jours. Le lundi, elle venait lui donner 2 euros. Mardi, elle venait lui donner 2 euros. Le mercredi, elle venait lui donner 2 euros. Dans le parking de l'unicorne. Et en fait, il comprenait pas le SDF parce qu'à chaque fois, la meuf, elle lui mettait ses 2 euros dans son trou de balle. C'est vraiment bizarre, je sais. Elle lui mettait tous les jours 2 euros dans son trou de balle. Lundi, après mardi, après mercredi, tous les jours, 2 euros dans son trou de balle chaque jour. C'est pas au bout de un mois, il s'est rendu compte qu'en fait, la meuf, elle est aveugle. Elle croyait payer sa place de parking. Elle est pas mal. Mais hey, attends, c'est qui ce SDF? Un boug. On sait que c'est... Ah, un boug. Oh, calme. C'est noir, gars. arrête. Je crois que je veux construire l'histoire. Hein. Bon, hey, qui raconte une histoire, là? Bon, qui a une histoire à raconter, là? Les refs, c'est sûr, vous avez des trucs à raconter. C'est où l'autre fils? Ouais, l'histoire ou une blague. Sur des histoires drôles, des blagues, vraiment... Bon, j'ai une autre histoire à vous raconter. Bonsoir. C'est pas une histoire. Salut Chico. Bonsoir. Ouais, je fais ça. En fait, c'est pas une histoire à vous raconter, mais je vais vous expliquer quand même. Vous voyez, il y a un mois. Non, attends, on est au coin, on fait plus. T'es où? En fin décembre. T'es où? Tu sais plus de ça. Mais t'es pas sérieux. Envoie ta pause. Je suis allé en Alsace et c'est genre, tu sais, là où il y a les montagnes, la neige. T'as une voiture, c'est bon? Et là-bas, en fait, attendez, je vais vous expliquer. Je suis allé là-bas pour les fêtes de fin d'année, vous savez, genre le réveillon, nouvel an, Noël, tout ça. Vas-y. Oh non, les bleus. Et là-bas, je croise quelqu'un, il est genre bosson. Vous savez, là où j'étais, c'était genre dans un chalet en montagne. C'était hyper reculé et faut vraiment. Il y a des gens qui vivent là-bas, mais on dirait ils veulent vivre isolés de tous, tu vois, ils sont coupés de la. Il y a même pas de connexion internet là-bas, t'as capté? Ouais. Et à un moment, je sors, je fais une promenade, tu sais, dans la neige et tout. Je pars un peu de la maison et je vais vers d'autres maisons plus loin dans la montagne. Tu sais, c'est des maisons, elles sont isolées à mort, il n'y a personne autour. Ah, j'avoue, je peux te dire. Et je marche et là, je vois un mec en bas de sa maison. C'est il est genre capuché, il a genre une longue veste, il me regarde, il veut même pas que je vois ses yeux. Genre, il se cache terre les fous, genre vraiment, genre en mode trace ta route. Et ce mec, vous me croyez, la tête d'homme. Je le regarde un peu plus. Wallah, no fake. Je pense vraiment que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous parle ça, je pense vraiment que c'est tout. Vous connaissez Xavier Dupont de Ligonnès? Ouais, bien sûr. Et ben, la tête d'homme, c'est tout à fait possible parce que il a disparu des radars. À mon avis, il est toujours en France parce que s'il a quitté la frontière, ça se serait su, t'as vu? Et il est dans une maison reculée comme ça, dans un coin paumé de la France. Et je crois que t'as cru que t'étais dans le film. Hello. Non, vraiment, les robes, c'était vraiment lui, j'en suis sûr. Et dommage, je l'ai pas pris en photo. Mais si c'est lui, si vous voyez que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Alsace. Vous me donnez tous 20 euros PayPal, c'est bon? Crois-le fort. Moi j'ai une question, c'est pas pour FPE, mais c'est normal qu'il y ait un homme sur le pont là-bas qui nous observe depuis tout à l'heure. Quoi? Ah bah c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier. Ah bah tiens, Xavier. Xavier, c'est quoi? Attends, mais il est où? Je le vois pas. Je crois qu'il est venu pour toi. Regarde juste à côté du poteau, en face de toi. Vraiment en face là. Là où il y a la montée du machin bizarre. Yo, moi je vois pas. Il a un haut boulon. Il a un gros boulon. Il vient de bouger. Non mais voilà, en gros, voilà, c'était une petite histoire. Non, il est encore là. À qui le tour là? Il est encore là.
Ah, moi j'ai un tour là! Vas-y, moi j'ai un truc. Faut jouer le jeu. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Putain, qu'est-ce que tu fais quoi? Ok, vas-y, j'ai une histoire à raconter moi. Arrête! Attends, vas-y, je m'assors, je peux poser, attends. Il va me planter ce chien. Ok, en fait, alors moi ce qu'il faut savoir, c'est que mon avis, je suis taxi. D'accord? Donc depuis quelques temps, je fais. Putain de pute! Et en fait. Mais je vais lui niquer sa mère, mais. De faire tabasser par 10 mecs à ce qui paraît, il s'est fait tirer une balle dans la jambe. Bref, on est comme ça tous les jours. Attends, tu viens d'où mon ref? Tu viens d'où? Moi, Japon. T'habites au Japon? Vas-y, parle japonais un peu là. J'ai oublié depuis le temps que. Non, c'est obligé, t'as des restes. Vas-y, arrête, allez. Sur ton maté. C'est le Japon de la Wish, je crois. Watashimo Haruki. Oui, Harki, allez, Watashimo Harki, vas-y. Allez, petit maghrébin, tu vas aller te faire foutre. Ah putain, moi je m'appelle Haruki. Oui, non, j'ai dit, je suis Haruki. Oui, vas-y, raconte. T'as un gros coup là. Ouais, du coup, l'autre fois je faisais des petites courses de taxi tranquille vers le nord. Donc je ressens une course vers Paléto Bay, vous voyez, un peu dans la forêt et tout. Je sais pas, je vais là-bas, je vois un mec bizarre qui attend sa course. Du coup, tu vois, il monte dans la voiture et il est capuché, longue tenue noire et tout, un peu comme celui que t'as vu dans ton truc là, Xavier. Comme lui, tu vois. Et il me demande une course vers le sud, déjà vers les hangars. Tu vois, déjà ça sent un peu le truc chelou, tu vois. Et je vais vers le hangar, en plein milieu de la course, tu vois, il me dit stop. Du coup, je m'arrête, tu vois, je me mets sur le côté, il descend, il me dit attendez-moi. Après, j'attends 5 minutes, il revient, comme si de rien n'était. Il revient, il remonte, il me dit pas un mot, il me dit juste ouais, trace. J'arrive au niveau des hangars, je laisse partir. Après du coup je fais demi-tour et je pars chez moi. Et oui, on s'est arrêté vers les trois supérettes là. Au niveau de, je sais pas si vous voyez là, côte ouest. Vers Osaka, oui je vois. Oh putain, non mais ici à Los Santos. À Los Santos. Mais t'es con quoi. Bref, et après c'est pas genre quelques jours plus tard où ils vont baisser dans l'eau. Non attends. Fils de pute. Oh, tu fais quoi avec la meuf? Tu sais, tu lui vendre des pochons. Mais pourquoi elle court comme ça? Je sais pas, là, il mais ça arrête. Je sais pas, Tiens. Et du coup, attends. Tiens. Arrête de vendre de la drogue, il y a une soirée là. On le jette à l'eau. Oui, mais putain, t'es vraiment dégueulasse. Quoi, mais y'a quoi? Qui est vraiment trop moche, ça, moi. Oui. Ouais, bien sûr. Mais arrête, je te jure, ma calvitie elle a reculé. Ouais, range ton couteau, tu vas faire une dinguerie. Oui. On dirait un stade de foot. Écoutez, bref, et du coup, bah. Vous savez, les. Color vers Attends. Et. Ah wesh. La pêche. Agression. Agression. Appelez les médecins. Aïe, putain, pas moi. Wesh. Mais non. Je vais le jeter dans l'eau. Nage, petit poisson, nage. Va-t'en vers le. Oh putain. Mais c'est pas un scooter enculé. Ah, c'est le mien. Frère, c'est le feu, regarde. Ah oui, j'ai bien vu. Putain, mais il t'est arrivé quoi? Pourquoi t'arrives avec une voiture d'un coup? Eh, ça, j'ai trouvé une voiture dans un garage ou dans un parking, j'ai pris. Putain, mais j'ai cru que t'avais pas de solution, putain. Merde. Attends, passe par là. Oh, let's go. Si un jour tu dois t'enfuir, tu te fais cavale. Retiens bien cet endroit, il y a toujours des jet skis. La plage jet ski, c'est pour ça que t'as écrit ça. Voilà, t'as capté. Ici, il y a toujours des jet skis. Ça veut dire si il y a des mecs ou quoi, tu viens ici, tu prends un jet ski, tu fuis. Ok.
Ok. Vas-y. Viens, retourne là-bas, attends, viens, retourne là-bas. Attends, monte. 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 Je suis là, là. Il est où le ref, là? Là-bas, je pense qu'il est évanoui, sa mère. Ça y est, je devais le planter. J'en peux plus. Depuis tout à l'heure, il me plante. J'en peux plus. Déterre. Ouais, Billy, fils de pute, va. J'en peux plus. Tu t'as fait que de me planter. Voilà, celle-là, elle était jouissive. Elle était jouissive. J'y ai mis tout mon cœur, sale chien. Non, faut que tu racontes une histoire. J'ai mis tout mon cœur. Il y a une histoire de faux, moi. Vas-y, mets-toi au milieu. J'ai une histoire de faux, moi. Jouissive. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, hein. Non. Ah, vas-y. Ok. Bon, en gros, c'est l'histoire de moi. Et c'était il y a genre 3 jours. En gros, je t'explique. J'ai pas dit ça. J'étais avec tous mes homies, on était au Hoods. Et là, il y a un mec bizarre, il vient et me dit yo, je fais de la beuh, tu vois. Et nous, du coup, on lui dit ok, tu veux quoi comme beuh? Et nous dit yo, moi je veux de la beuh puissante de fou. Et le mec il était pas net, tu vois, en sa tête, ça se voyait. C'était pas moi, je préviens. Il était chelou un peu, genre il marchait bizarrement et tout. Genre il avait un peu le même profil que ce mec là. Lui là. Qui, moi? Genre. Tu parles non, l'autre, toi, ouais. L'autre dans l'eau là-bas. T'as un problème, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ouais, je disais que t'étais un peu chelou. Et du coup, genre le mec il se grattait un peu c'est les mains. C'est un marrou ça, non? Ça se voyait qu'il en manque de fou. Moi j'avais pas de buzz sur moi, et du coup genre j'ai pris un brin d'herbe, je l'ai cramé un petit peu avec mon briquet, je l'ai mis en boule, et je lui ai vendu ça. Je vous jure, il revient tous les jours et je lui donne de l'herbe et il kiffe de fou. Voilà, c'était mon histoire. En gros, tu l'as non, bien il a apparu. On dirait ouais, trop c'est une histoire vraie ou pas? Repasse pour m'acheter cette herbe. Donc c'est l'herbe du jardin. Putain. C'est une histoire vraie? Voilà une histoire qui fait flipper. C'est une histoire vraie, sa mère. Putain, moi j'ai attends, une histoire. Elle est plus là l'autre vas-y, là, vas-y, vas-y, Romille. Non. J'en ai une après. Non, moi d'abord. C'est cool le moi, mec en bleu depuis tout à l'heure, il me suit. Wesh. Voilà, depuis que j'ai revu la ville là, depuis que j'ai sorti de prison. Il est amoureux de toi. Vas-y frère, en plus t'as des gros pieds, mais pas de chaussures, il casse les couilles. Elle a dit bonne nuit. Ah, j'avais pas vu. Ok. Ça fait quoi là? Ouais. Bah là, je suis là, je peux pas. Viens, on bouge un peu. Putain, j'en ai t'as des voitures toi? Mais tu passes ta vie à l'hôpital. Tu sais pas s'il y a un patron là d'une entreprise ici. C'est enfin, moi, je patronne frère. Tu veux quoi toi? Tu parles comme un cafard frère. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était toi. C'est quelqu'un qui parlait hyper fort aussi. Apparemment fort là, on est en train d'écouter une histoire putain. Ta gueule. Non, vas-y, j'arrive. Oh, excusez-moi, vous aurez pas un peu de sous? Là dessus t'as pas un peu d'argent là malade. Tiens, j'ai un peu de sous. Regarde Boudiz, comme ça on demande de l'argent. Ah non, j'ai plus rien. Wally. Non mais je lui donne frère. Attends, tu donnes tout ce que j'ai. Écoute la fin, la chute elle est où? Attends, viens, je vais t'introduire. Enfin... Quoi? Ouais, c'est tout ce qui m'a fait. De base après elle meurt, elle se retourne, elle meurt. C'est tout. Oh le zoom. Ouais, tu lui as donné quoi? $39, c'est que ça sort dans ma poche. Merci. Mais c'est bien, tu peux t'acheter ça. Il est passé devant tous les cops, il a tout balancé dans le bar et du coup on l'a tué. Tu veux que je retire l'argent ou pas? Toi ta gueule, sale escroc, t'es une merde. Mais ferme la gueule, tu vas garder ce qu'on a vu. Je fais la mienne après. Viens, suis-moi. Vas-y, viens, on y va. Viens, avec vous, Zizi. Oh, y'a un petit grenouille. Tout à l'heure, il m'a donné 250 balles, lui. Wouah! Vas-y, lève. Wouah! Fils de. Ah, sa mère, j'ai grave. Ah, t'es trop con, ouais. Ah, putain. Attends. Oh putain, oh y'a une moto. Oh putain, attends, je vais conduire. Prends celle-là. Oh, elle marche pas. Comment ça, elle marche pas? Il y a pas les clés. Ah ouais, c'est ça, je pensais. Ouais, je pensais plutôt ça. Ouais, je pensais plus, y'a pas les clés. Ah, je suis mort. Attends, viens.